Yeah, he's on! Diamond 6! Yeah, he's on! Duncan left! Ooh, ooh, ooh! Duncan left! Ooh, ooh, ooh! Diamond 6! Yeah, he's Got Gunn, Oaks left, Scott, Dixie left, he left, Mercedes, wide. Chip, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha. We good? Yeah! The last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, Duncan up to Donnie Avery! Oh! Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver pour le débrief du Divisional weekend en NFL. À mes côtés cette semaine, comme d'habitude, il y a Raphaël Masmejour. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est là, il a toujours la tête qui ondule. C'est ça, même sans musique. Es-tu Patrick Mahomes Pourquoi tu as la oui. tête qui dodeline comme ça sans. Ah oui, j'avais pas la référence. Ouais. Non, non. Pardon. Non, non, c'est ah, la pas, Je n'ai pas son talent, même si j'ai pu être critique. Euh, fut un temps Bonjour messieurs, bonjour à tous. Euh, C'était donc la musique, en effet. Euh, Grégory, bienvenue à toi, messieurs. Euh, plus que quatre équipes en course pour le titre NFL 2020-2021 euh, les Bills, les Packers, les Chiefs et les Buccaneers. Comment en est-on arrivé là Et ben, on va vous raconter tout dès maintenant. Uh, playoffs? We'll talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Saints 20 Buccaneers 30. Au moment où on se parle, Drew Brees a dit qu'il qu allait réfléchir à la suite à donner à sa carrière. Tous les médias US annoncent qu'il va prendre sa retraite. Messieurs, je vais le dire de manière très cash. Est-ce qu'il a vraiment le choix et est-ce que c'est ce pas la meilleure chose à faire après ce qu'on a vu dimanche soir? Grégory, je te laisse l'occasion de taper sur un rival de division quand même. Donc, euh... Ah c'est ça ça me fait plaisir. Après, je sais que Raph aime beaucoup parler de Don ces derniers mois. Euh... Est-ce que c'est la bonne chose à faire bon, En tout cas, euh, même si on sait qu'il était quelque peu diminué ces, ces dernières semaines. C'est sûr que malheureusement, ce n'est pas une régression qu'on découvre, en effet. On a, vu, on a vu des lancers quand même euh, sous-alimentés, euh, des problèmes de communication assez flagrants quand même avec certaines de ces cibles. Hein. Je pense notamment à Celle. Je n'ai pas tous les défenseurs qui ont intercepté le ballon. Je suis désolé, il y a, il y a trois pics au passage sur ce match-là qui ont été importants ici. Et... Mais oui. Je... On va dire que c'est difficile de formuler comme ça. Euh, je pense qu'il peut quand même apporter des choses aux Saints. Après, dans l'optique d'aller chercher un Super Bowl, je me demande si c'est pas encore un petit peu limité et où là, en l'occurrence, on a vu les limites de son âge et voilà. N'est pas Tom Brady qui veut et c'est selon ce dont on se rend compte avec le quarterback des Saints. Raphaël, tu l'avais un peu vu venir, donc tu vas pas me dire que tu es surpris. Ah non non, euh, écoute, euh, je l'avais vu venir euh, déjà les deux dernières inter les deux dernières euh, prêts, euh, les deux dernières campagnes de playoff des Saints euh, qui s'étaient finies sur des défaites. Je, je me souviens très bien avoir évoqué un Droblyce qui m'inquiétait un peu avec beaucoup moins de vélocité dans les lancers, beaucoup moins, enfin moins de précision tout ça. Donc je suis pas surpris que ça qu'on le revoie euh, à l'œuvre euh, ce match-là. J'avais un petit doute en me disant que la blessure finalement en cours de saison elle avait peut-être lui avait peut-être permis de se reposer un peu plus et d'économiser un peu de force physique pour la fin de saison. Euh, bah, C'était même pas le cas au, au final. Donc, euh, non, non, je suis pas surpris. Euh, voilà, je, je demande juste aux fans qui nous traitaient de haters de. <laughs> C'est une bonne je, idée. je sais que l'amour rend aveugle, je sais que l'amour rend aveugle, donc voilà, ils voulaient pas le voir. Mais euh, et après, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faut s'arrêter parce que, comme l'a dit Greg, si l'objectif des Saints c'est je pense que c'est quand même le leur vu l'effectif c'est d'aller soulever le, le Lombardi à l'heure actuelle à moins d'améliorer encore qualitativement et quantitativement l'ensemble des, des armes de l'équipe offensive et défensive mais je pense que je suis pas sûr qu'ils puissent faire beaucoup mieux bah c'est ça ils ont une énorme défense une super ah ouais. ligne offensive euh, ils ont des bons playmakers euh, ouais. oui 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 c'est ça donc là je, je vois pas très bien comment ils pourraient faire mieux donc je, je pense que c'est malheureusement fini pour Drew Brees et, euh, et voilà Trois interceptions, 134 yards à la passe seulement, euh, c'est un love of mais tu l'as dit, il n'y a plus la vélocité, il ne peut plus porter son équipe sur un match. Est-ce que la stat la plus symbolique, et, et c'est un truc que tu avais aussi annoncé régulièrement euh, Raphaël, c'est le fait qu'il n'a pas tenté, je dis même pas complété, hein, mais il n'a pas tenté une seule passe de plus de 20 yards, donc à partir de là, tu ne peux pas vraiment repartir pour une année de plus de toute façon ça paraît compliqué, alors effectivement là, il arrivait à le masquer grâce au play calling de Sean Payton et, euh, et à l'ensemble de ses skill players qui euh, permettaient de maximiser sur encore ce qu'il lui reste de qualité, parce qu'il lui reste de la lecture, de l'intelligence de jeu euh, donc voilà, ils il arrivaient à le masquer mais euh, même dimanche, même sur les tracés intermédiaires, c'était pas toujours terrible euh, vraiment en termes de yards en l'air pour le ballon, c'était très très faible et ça devient compliqué, à mon sens, euh, en NFL en 2021 de, de tenter de gagner sans pouvoir exploiter la, 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 la verticalité et la profondeur. Donc, euh, bon. Je ne sais pas si tu allais venir, Alain, mais il y a quand même un point fondamental qui peut aussi expliquer le rendement déficient de bruit sur ce match-là. Dis-moi. Il bah, y a quand même un facteur important qui n'était pas dans le backfield offensif et qui, des fois, permet d'apporter cette vitesse qui permet de faire souffler de gros brise et qui ah, permet tu de 2000. voilà, qui permet d'ajouter une menace supplémentaire à la course. Et malgré tout, on a beau on a beau de pas pour certains en tout cas ne pas aimer le profil hein, ou en tout cas être un petit peu sceptique sur cette chance sur ses chances d'être un QB1 euh, avec un gros potentiel à l'avenir, son absence en tout cas et sa capacité à éventuellement pouvoir piéger la défense des box. Ça a quand même été, ça quand même été mmh. problématique pour les Saints et ça a peut-être mis un petit peu plus de pression sur Brise et c'est ce qui fait qu'on s'en aperçoit peut-être plus que sur d'autres rencontres. Après, justement, enfin, je pense que le fait que tu aies besoin de faire rentrer tes quarterbacks numéro 2 et 3, puisque Jamie Swinson est quand même rentré pour lancer la seule passe en profondeur de, de ce match pour New Orleans, c'est quand même aussi symbolique du fait que Drew Brise est quand même un peu carbonisé parce que dans les faits, les, les Buccaneers ils n'ont pas besoin de faire rentrer leur quarterback numéro 2 pour, pour relayer Tom Brady, si je prends l'exemple de l'équipe qui est en face. Donc c'est aussi tu le dis, hein, c'est révélateur. En effet, pour l'optique de gagner un match, ça leur retire des armes, mais ça, ça, ça met en exergue le fait que brise en effet, n'est plus capable de, de le faire. Après, ça ne retire rien, évidemment, à son immense carrière. On le dit d'avance, euh, Raphaël, tu nous, as, euh, tu, tu nous as énervé un petit peu la fanbase là, il y a deux secondes en, en, en disant que qu'on qu qu l'avait vu venir et tout ça, mais euh, ça enlève rien à sa carrière. C'est juste que oh. c'est ce qu'on dit depuis le début de l'année, il n'y a pas de honte à moins bien jouer à 42 ans. Euh, et après, euh, on n'a pas envie de le voir justement être moins bon. Donc, il est peut-être temps de se retirer pour cette raison-là aussi. On n'a pas envie de le voir se traîner sur le terrain et être, euh, et être mauvais vu que c'est un futur Famer c'est toujours un peu triste. Euh, 294 yards au total pour les Saints. Aucune réception pour Michael Thomas. On a beaucoup parlé de brise, mais le reste de l'attaque n'a quand même pas non plus été totalement à la hauteur de l'événement. Oui, oui comme, comme tu dis, euh, à circonstances atténuantes, on va dire, pour Droubly, c'est quand même une attaque qui l'a pas forcément aidé, et notamment ses skill players star, en tout cas supposé star comme Michael Thomas, dont on attendait forcément mieux quand on a la prétention qu'il a, euh, à juste titre, après là, sa saison de l'an dernier, tout ça, fin, tu peux pas euh, tu peux pas sortir un match avec zéro réception en playoff quand tu es Michael Thomas. Alors euh, bien sûr, il fait face à un Carlton Davis qui fait une... Performance vraiment de très haut niveau, le cornerback de Tampa Bay, mais si tu compares avec des performances d'autres receveurs cette, euh, ce week-end, euh, forcément ça fait un peu mal euh, pour Michael Thomas. Donc, alors les, les plus méchants euh, pourraient dire euh, oui, mais euh, les passes de drawbrise euh, ne permettaient pas forcément d'exploiter tout son talent. Je pense qu'à un moment, c'est aussi au receveur d'être capable de trouver des, des zones pour aider le quarterback, et là, clairement, il n'a pas été aidé là-dessus. Donc Comme tu dis, c'est toute l'attaque. La, toute euh, et c'est là où je rejoins Greg. C'est vrai que peut-être l'absence de Tyson dans son rôle un peu des fois de joker, de, de, mm. de, de, de play, de jeu un peu différent, a, a sans doute un peu aussi enlevé quelques pages au playbook de Sean Payton. Euh, et on sait à quel point il aime, euh, il aime faire des trucs un peu comme ça. Donc, euh, bon. Greg, Michael Thomas, déception de, de ce match oui, après, euh, alors, c'est un peu à double tranchant, dans le sens où oui, sa prestation n'est pas bonne. Euh, en effet, je rejoins Rav, c'est sûr que il euh, y a eu du bon travail. Je trouve que la défense de Tampa, c'est quand même très bien ajusté. On aura l'occasion d'y revenir, mais mm -hmm. en tout cas, euh, voilà, sur la couverture, ils ont vraiment fait le boulot, alors que il y a quand même eu, je trouve, quelques flaque par moment qui pouvait en tout cas faire un peu peur si on était fan des Bucks. Euh, après, le rôle de Michael Thomas, c'est pas uniquement le rôle d'un receveur numéro 1, euh, enfin, en tout cas, un, un joueur qui capte les ballons, c'est aussi celui qui va attirer l'attention et qui va permettre à d'autres de se mettre en évidence si on regarde la majeure partie des autres joueurs qui ont été ciblés. Il y a quand même eu une connexion qui a réussi à se faire. On a un trait Smith, notamment, même s'il y a forcément ce gros gain sur le trick play de Winston. Voilà, il a fait des catches quand même importants et qui ont permis d'obtenir des, des premières tentatives. Mais c'est vrai voilà, quand on prétend et quand on a la grande bouche, comme Michael Thomas, c'est sûr qu'on se doit sur un match comme ça contre un adversaire qu'on a battu, voire humilié deux fois en saison régulière. On se doit d'être au, au rendez-vous parce que parce que parce que voilà parce que c'était ce, ce backfield des, des Bucks reste quand même assez jeune, il y a quand même moyen de faire mieux et Thomas n'a pas été plus en verve que que son quarterback sur ce match-là. Tu l'as dit, les Saints avaient gagné les deux matchs de saison régulière, plutôt largement le deuxième. Euh, la défense des Buccaneers s'est donc bien bien ajustée. Ils ont stoppé le sol, ils ont pris l'avantage sur les receveurs et surtout ils ont récupéré des ballons quatre au total. Mmh. 21 points euh, suite au ballon perdu par New Orleans. C'est là que se joue le match. Sur le scénario de la rencontre, euh, ils, se, ils se font tuer par les ballons qui perdent, les Saints. Ouais, c'est là où se joue le match, déjà d'un point de vue comptable, effectivement. Et même quand tu vois à chaque fois comment ça s'est passé, ce qui a permis à l'attaque de Tom Brady d'être plusieurs fois bien placé en territoire adverse. Et une fois, il recommence de mémoire des 20 yards, une autre fois, ils vont recommencer des 3 yards adverses. Euh, forcément, ça, ça facilite le taf de l'attaque. Et avec un quarterback comme Tom Brady. On, on allait sans doute y venir. Qui a pas été flamboyant sur ce match, hein, franchement. Qui a ah, tu prépares bien le féminisme. Hein. Ouais, voilà. Non mais <laughs> qui a été. Non mais parce que j'ai aussi une réputation d'hater de Brady, donc je, je, veux, je veux pas. Euh, J'aimerais bien euh, ménager nos, chose, nos, nos hein. auditeurs. <laughs> J'aimerais bien ménager nos auditeurs, mais euh, disons que il a. Voilà. Malgré les, les défauts dans son jeu, il a par contre ce truc indéniable qui est cette sorte de côté létal où quand il a vraiment l'opportunité par contre de mettre le coup de poignard à l'adversaire, là en général il y arrive et il fait ce qu'il faut pour que ça marche et c'est la différence sur ce match. Et euh... Mais effectivement, faut, faut... Et je pense ce que Greg disant euh, par rapport à la performance des, des Buccaneers, que... c'est avant tout une prestation à mon avis. Ils se sont mis dans, sur les bonnes rails grâce à la défense avant tout du côté de Tampa et, et c'est un bon signe peut-être pour la suite. Greg, Tom Brady, 18 sur 33, 199 yards, deux touchdowns et un touchdown au sol. Euh, bon, tu l'as dit, il n'a pas été étincelant statistiquement, mais il a toujours un bras et il est toujours décisif. Ouais, alors. Euh... Oh, je te sens pas convaincu du tout, hein, par Brady. Sur ce match-là, bah, encore une fois, après, c'est compliqué parce que, oui, il a pas été autant à la peine que Drew Brees. Euh, pour le coup, encore une fois, c'est vrai qu'on parlait de, justement de ces difficultés en saison régulière pour les Bucks. C'était quand même symbolisé justement par les contre-performances de Tom Brady, ses fameux pics qui mettaient, qui mettaient rapidement pas dans l'embarras. Là, c'est sûr que sur ce match-là, il n'y a pas eu de déchet, mais. Concrètement, si on regarde, tant pas mes trois touchdowns sur ce match-là, trois touchdowns qui sont liés à des pertes de balles qui ont amené le ballon dans la moitié de terrain adverse. Mmh. Euh, et tu regardes le touchdown sur Lennart Fournette, euh, le ballon il est quand même extrêmement rasant. Euh, donc ouais, on, il a été opportuniste. Voilà, mmh. on va dire qu'en effet, il a eu cet instinct de tueur qu'on lui connaît, et en effet, il a bonifié, il s'est mis en mode playoff, il a bonifié les opportunités, les très bonnes opportunités qui étaient à la disposition de l'attaque des des Bucks. Parce qu'après, en termes de drive, c'était quand même pas très joli joli. On ne peut pas dire que sur un match là, alors qu'on avait portant brise contre Brady, on ne peut pas dire qu'offensivement parlant, on se soit régalé d'un côté ou de l'autre. Pas vraiment. Euh, clairement pas. Après, euh, c'est sûr que quand on a vu les, les Packers la veille, ça fait un petit choc hein, en termes de niveau, là, les deux qu'on a vu mmh. euh, qu'on a vus ce dimanche, on y reviendra. Après, il y a toujours cette capacité de Bruce de à faire le spectacle en appelant des bombes sur des troisièmes et un yard. Euh, c'est un plan de jeu. C'est ah bah une philosophie, on appelle ça là pour le coup. Non mais après c'est bien parce que honnêtement on n'est jamais, on n'est plus surpris en fait. Il a fait ça toute la saison. Euh, on l'a dit plusieurs fois. Ils vont vivre ou mourir avec ces idées là. Ça passe encore. Euh, je suis pas sûr qu'il faille leur faire la semaine prochaine face à la, cet adversaire-là, mmh. mais euh, bon, oui, euh, ouais, ouais ça, ça passe. Après, euh, ouais, je, je pense qu'effectivement, en mettant un peu plus d'eau dans son vin, euh, Ariane pourrait quand même aider un peu plus Tom Brady en cherchant un peu plus de rythme sur des lancers courts intermédiaires. Mais bon, là, ça n'arrivera plus. Hein, ça n'arrivera plus. Là, c'est fini. Ils y vont et, euh, et on oh, verra. Dans les positifs, le jeu au sol à deux têtes Fournette-Jones tourne pas mal quand même depuis le début des playoffs, notamment Léonard Fournette. Ils sont à 127 yards à E2, E2. c'est à peu près équitablement réparti, ils ont une soixantaine chacun. C'est quand même la bonne nouvelle de ces playoffs pour Tampa aussi, qui a quand même pas mal cherché son jeu au sol. Greg Ouais, enfin, j'allais dire l'entrée, en tout cas l'incorporation plus massive de Jones, notamment au retour des vestiaires, je trouve qu'elle a fait beaucoup de bien. Euh, Tampa avançait pas aussi aisément, à mon sens, en première mi-temps. Donc euh, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure euh, le fait justement de, de balancer pizza sur pizza sur le jeu profond a pu en effet laisser New Orleans se dire « bon, euh, on peut peut-être euh, libérer des brèches sur le jeu au sol ». Mais en tout cas, non, non, ça a été extrêmement bien appelé. Et on a vu Tampa avancer beaucoup plus sereinement au niveau du jeu à la course. Et je pense que ça a aussi contribué… Euh, d'une part, en tout cas, à, les... à alors faire bien démarrer la deuxième mi-temps, en tout cas, euh, à pas à pas créer le doute, à bonifier ce qui était récupéré par la défense, et puis surtout euh, à bien gérer également le ball control qui a été excellent en fin de match avec des premières mmh. tentatives euh, obtenues quand il le fallait, alors que pourtant les Saints les attendaient au tournant. Raphaël, un petit mot pour Devin White C'était ton homme du match dans le résumé, 11 placage, une passe déviée, un placage pour perte. Ouais, parce qu'il ouais, des... oui. qu faut le dire aux auditeurs, il y a aussi des joueurs que tu aimes bien. Euh, on parlé, hein. <laughs> oui, oui, non, effectivement. Euh, ouais, bah, écoute, le, le linebacker de, de Tampa a sorti une vraie prestation euh, XXL et euh, au-delà des actions clutch qu'il a réalisées, j'ai trouvé qu'en plus, il avait vraiment amené dans la défense un, un côté euh, agressif. Euh... À la limite, même. Hein. À la limite Non, mais c'est vrai, <laughs> c'était à la limite. Hein. Clairement, tu tu euh, sens que c'est un natif euh, de la Louisiane. Hein. Euh, c'était sur le fil. Il y, a, il y a zéro doute. Ça aurait pu basculer d'un côté. Euh... Mais d'ailleurs, tout le match, hein, globalement, il y a plusieurs fois, les mecs se sont un peu rentrés dedans. Ça aurait pu basculer euh, très vite dans le pugilat. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était une vraie prestation de, de futur capitaine défensif, de vraiment le mec qui, a, qui, par sa présence aussi, apporte quelque chose de plus. Donc euh... voilà, clairement, gros, gros match. Bon, les Saints font quoi maintenant euh, pour finir avec eux Greg, est-ce que Atlanta est meilleur que New Orleans de l'année prochaine du coup oh, Comment ils me cherchent <laughs> Je ne sais pas, il y a encore, des, y a encore des, des bonnes structures, on va dire. C'est sûr qu'il euh, qu y ait brise ou pas l'année prochaine, a priori, il y a quand même un contrat qui va être à prendre en considération malgré tout. Il y a quand même du, de la dette de monnaie. Je crois euh, que c'est 22 millions quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est quand même à prendre en ligne de compte. Après. Euh, on voit qu'ils arrivent quand même pas trop mal à reconstruire par le biais de la draft ces dernières années. Euh, ils ont reblindé la majeure partie de leurs joueurs free agent euh, pour l'intersaison à venir. Donc il y a quand même des bases assez, assez solides. Euh, il y a encore une fois des playmakers en attaque et en défense. Et il y a un coach qui sait les driver, même si en, en playoff ces dernières années, je le trouve pas toujours très inspiré. Mais en tout cas, il y a un coach qui sait, qui sait créer cette émulation et qui a un coaching staff euh, compétent autour de lui. Donc je ne me fais pas plus de soucis que ça, je pense que ça restera potentiellement, même s'il y a l'interrogation du nouveau quarterback, potentiel en tout cas, là où on se parle, la possibilité d'une qualification en playoff, je ne les vois pas dégringoler d'un coup la saison prochaine, changement de QB ou pas. Est-ce que tu penses qu'ils doivent monter un échange pour Ryan Je ne réponds pas à cette question, ce Maté. Bon Raphaël, il continue avec Taysom Hill ou James Winston, les Saints? Ah, écoute les... sur ce qu'on a vu cette saison ça avait quand même l'air de plus continuer sur Tyson Mill que, que Winston ouais. euh, donc euh, bon je, je sais pas ça, ça va être à Sean Payton de travailler là-dessus je n'ai pas de un parmi temps. Hein. ça n'a pas été fait depuis longtemps hein. je crois que c'est de, depuis les Cardinals avec Warner et, et, la, et, et les Narts, ça n'avait pas ouais, été Matt fait Nart, mais ouais, ouais. on ne sait jamais hein. c'est vrai c'est vrai. Bon, on en reparlera pendant l'intersaison, évidemment. Les Buccaneers, eux, affronteront les Packers qui ont battu les Rams 32 à 18. Je vous demande un petit peu de foot fiction. Je sais que ce n'est pas habituel dans les résumés, mais est-ce que les Rams avaient vraiment une chance, même si Aaron Donald avait été à 100% Il a joué 54% des snaps euh, parce qu'il était touché aux côtes. Ils auraient pu mettre plus en difficulté cette ligne offensive qu'ils ne l'ont fait sur ce match-là parce que, en l'occurrence, quand on a vu la prestation face à Seattle, alors c'est sûr que ce n'est pas le même niveau au niveau de la O-line, même si euh, du côté de Seattle, ils n'ont pas été à la rue depuis le début de la saison en ce domaine-là, contrairement aux années précédentes. Mais euh, ouais, on était quand même en droit, vu ce qu'on avait vu, de peut-être avoir un petit peu plus de pression. Et là, je trouve qu'ils ont quand même été euh, maîtrisés de bout en bout. Euh, je sais pas si euh, ils auraient forcément gagné avec un Rondonald à 100%, mais ils y auraient peut-être cru un peu plus longtemps. Là, le suspense a été quand même, à mon sens, achevé un peu plus rapidement que prévu. Oui, les rames sont courues en permanence après le score. Ils n'ont jamais mené. Et à chaque fois qu'ils se sont un petit peu rapprochés, Greenberg reprenait le large. Aucun sac sur rogers Donc, dans ces conditions-là, c'est carnage. 23 sur 36, 296 yards de touchdown, aucune interception. Un touchdown au sol, 188 yards de sol pour les coureurs. Raphaël, tu penses, toi, que même avec Donald, ils auraient pu… Sachant que les Packers, eux, n'avaient pas David bakhtar, Il y en a quand même, d'ailleurs. faut le préciser aussi. Mais dans les faits, cette attaque fait quand même très peur. Donc, Donald ou Ouais, je ne sais pas si ça a changé le résultat du match. Comme Greg, j'aurais tendance à dire que ça sur l'ensemble des snaps, ça peut apporter forcément un peu plus de, de, de pourcentage de chances de mettre la pression malgré tout d'avoir un des meilleurs euh, pass de la ligue. Donc je, oui, mécaniquement, j'ai envie de dire que ça pourrait après de là à changer euh, le cours du match. Pas forcément... Euh, puis, ils ont perdu leurs autres duels de toute manière. Ils ont perdu mmh. tous leurs autres match-ups. Donc, au-delà même de, de, cette sur, euh, de cette pression sur Aaron Rodgers, c'est Ramsey qui a perdu son duel face à Adams, qui a été aussi un, une des clés du match. On l'a vu sur le touchdown de Adams, où euh, Ramsey se fait avoir sur le, le mouvement pré-snap de Adams. Et il euh, y a touchdown. Et... Donc, ils ont puis, perdu même, plein de... 9 sur 10 quand même, Adams, sur ce match-là. Oui, oui non, clairement. Ils ont perdu plein de petits match-ups en défense, en attaque. Et qui fait que… Voilà, je pense que Donald à 100% ne changeait pas le tout parce que il, il aurait fallu gagner d'autres match ups que juste celui-là. Oui, donc tu... vous, vous l'avez bien mis en avant. Et puis il y a aussi le match-up. Alors on va rester tiens, sur Green Bay en attaque pour l'instant. Hum. Euh, il gagne aussi le match-up du sol quand même. 188 yards au sol encore. C'est quand même le gros travail de l'ombre derrière Aaron Rodgers. Bah, moi, c'est un peu ce que j'allais dire aussi. C'est vrai que bon, Aaron Jones ne découvre pas son talent, mais euh, c'est vrai que. Je trouve que c'est quand même osé, euh, surtout vu quand même l'amélioration quand même assez sensible, notamment du run stop des Rams euh, ces derniers mois, euh, de ne pas hésiter justement à miser sur les différents coureurs. AJ euh, Dillon, bon, il y a ce fameux fumble qui est sauvé par Aaron Rodgers, mais euh, je trouve qu'il fait quand même une, une bonne entame, même si ses stats ne sont pas dingues. Et surtout Jamal Williams, je trouve qu'il a réussi à apporter une, une bonne complémentarité à Aaron Jones. C'est vrai que à avoir en effet ces, ces coureurs un peu plus frais qui, qui, qui rentrent dans le tas euh, systématiquement euh, et qui fatiguent cette, euh, cette défense qui en plus, on, on l'a dit, euh, avait un premier rideau quand même euh, pas mal mis en difficulté par la wall line des Packers. Voilà, ça, ça a fini également par aller chercher des, des premières tentatives extrêmement précieuses. Et voilà, je le redis, pour, pour le coup, moi le premier... Je suis beaucoup sceptique sur ce que peut faire Matt Lafleur depuis son arrivée du côté de Green Bell. Là, je trouvais qu'en termes d'exécution, en termes d'alternance au niveau du jeu, parce que c'est sûr que forcément on retient les stats extrêmement propres, voire plus que ça d'Aaron Rodgers. Mmh. Mais voilà, il y a aussi un jeu au sol qui quand il est capable de carburer est excellent et ça s'est vu sur ce match-là. 36 passes, 36 courses. Donc mmh. en termes d'équilibre, on peut difficilement faire mieux. Euh, Raphaël, est-ce que c'est la, la meilleure attaque qu'on ait vue ce week-end oui, 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 ce week-end, effectivement. Je pense que euh, c'est la meilleure attaque qu'on ait vue. Euh, probablement la plus équilibrée, euh, même euh, des deux côtés, enfin pas des deux côtés du coup, mais euh, sur les deux aspects euh, du jeu offensif. Ouais, c'est la meilleure attaque qu'on ait vue. Euh, donc ça c'est quand même bon signe pour Green Bay d'arriver à deux matchs de la victoire finale avec la meilleure attaque, c'est pas mal. Et une défense qui a limité les rams à 244 yards. Alors, il n'y avait pas Cooper Cup du côté de Los Angeles, mais ça fait tout de même très très peu. On a l'impression que Jared Goff faisait un match, alors correct, 21 sur 27, 175, 174 yards d'un touchdown, mais correct, mais très loin d'être suffisant à ce niveau. Non, je ne dis pas de bêtises, parce qu'il était honorable, mais on, on sentait qu'il pouvait pas non plus dynamiter le truc, quoi. Oui, ouais, comme tu dis, il pouvait pas dynamiter. Alors après, à quel point il pouvait pas, à cause de son doigt, malgré mmh. tout, hein, il a quand même été opéré il y a peu, je pense que ça joue forcément. Euh, ça joue forcément. Euh, comme tu dis, l'absence de cup. Euh, pour le coup, euh, j'ai presque trouvé que c'était euh, pas loin de, par rapport à, à la situation, pas loin d'être un de ses meilleurs matchs de la saison. Au final, il n'a il a pas fait d'erreur. Euh, mais après, effectivement, est-ce qu'on peut se contenter pour aller en finale de conférence est-ce qu'on peut se contenter d'avoir un quarterback qui ne fait juste pas d'erreurs est-ce que tu n'as pas besoin d'un peu plus ça c'est encore une autre c'est un autre débat pour l'intersaison mais ils étaient juste moins forts quoi je il y a un moment Greg juste moins fort les Rams et Jared Goff oui oui Alors après c'est sûr que encore une fois euh... bon Akers fait son match en plus au niveau du jeu au sol mais je ne vais, vais pas dire qu'ils étaient en sur-régime offensivement, mais voilà, il, moi, pour moi, il y avait quand même une jeunesse qui risquait à un moment donné de, de poser problème autant de, de Jared Goff, hein, même si par exemple Van Jefferson euh, avait quelques, quelques inspirations, euh, notamment euh, même s'il y, y a un TD personnel, son, son jeu, son jeu, euh, comment dire ça, ça passe en retrait euh, qui amène au, qui amène euh, qui amène un détachement des, des, des Rams mais bon, bon voilà tout ça mis bout à bout avec en plus malgré tout parce qu'on l'a dit il n'y a pas eu de pression du côté des Rams mais du côté des Packers on a parfaitement été capable d'en faire mmh. euh, Rachen Gary est bien là du mmh. coup c'est Green une baisse c'est pas ce l'enseignement défensif de ce match mais euh, non non en tout cas voilà s'ils sont capables en effet d'avoir une pression qui vient d'à peu près partout ça ne peut qu'être une excellente nouvelle pour, pour Green Bay et ils ont d'énormes ingrédients, je trouve, pour pouvoir prétendre à, à retrouver ce, ce Super Bowl. Donc euh, voilà, ça n'a pas été hyper flashy défensivement, mais ça a été suffisant, en effet, pour mettre la pression, pour, pour faire déjouer un minimum un quarterback qui reste, en effet, un petit peu sensible euh, physiquement. Et une escouade autour euh, voilà, qui reste peut-être un peu fragile, euh, entre guillemets, mentalement, dans ce genre de, dans ce genre de situation. C'est quoi la priorité de l'intersaison pour les Rams, du coup Parce qu'on l'a vu, alors, si Aaron Donald est là, ils ont une bonne défense. Kamaker semble plutôt être un bon coureur pour les années à venir. Mm -hmm. enfin, en tout cas, les 3-4 années à venir, puisqu'on parle d'un coureur, on verra la suite. Il euh, y a des receveurs. Finalement, mm -hmm. on en revient à la question du quarterback. Euh, ouais, après. Ils peuvent un peu renforcer la ligne offensive. Oui, hein. Ça serait pas mal de rajouter un peu de, de, de steak là-dedans. Euh... C'est une bien belle formulation. <laughs> oui, c'est vrai. <laughs> Surtout que leur, leur left tackle, Andrew wisworth qui est quand même revenu de blessure à maintenant 39, euh... ouais, ça doit 39 ça, oui. ans. Ouais, mmh. donc oui, il y avait bon... déjà des rumeurs de retraite l'année dernière, voilà, ca... voire même il y a deux ans. Commencer à préparer un peu son départ, ça me semble pas… pas... Donc... Mais je te rejoins. Ligne offensive et la question de quarterback. Après, on l'a vu, on l'a dit toute la saison, on n'est pas capable. De... Enfin, la NFL a du mal à avoir 32 bons quarterbacks. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu fais pour Enfin, quels atouts on les Rams en main pour avoir meilleur Je sais pas. Et puis moi, franchement, euh, je mets au moins une bonne dizaine d'équipes avant les Rams qui auraient un besoin de quarterback. Hein. Euh, oui, je ne pense plus, pas oui, que ce non, soit une non. des équipes qui devrait se précipiter dans ce domaine-là. Non, euh, améliorer les lignes, puisque très clairement, on voit qu'avec de meilleures lignes cette année, euh, ils ont quand même, euh, ils se sont quand même refait la cerise. Après. Euh, après, c'est des questions d'opportunité, tu vois. Euh, typiquement, bon, ils n'auront ils pas de premier tour à la prochaine draft. Mais s'il y a bien une équipe qui peut se dire bah, on prend le meilleur joueur disponible en fonction euh, du poste concerné, je pense que c'est Los Angeles. Donc euh, voilà, il y a quelques petites retouches, ils ont rajeuni l'effectif effectif. Euh, dans une année de transition, euh, en tout cas, euh, ce qui s'apparentait à, 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 euh, à une année justement de transit, euh, ils vont quand même en playoff. Donc euh, ouais, non, je ne pense pas qu'il y aura un énorme bouleversement et qu'il y a d'énormes priorités à l'heure actuelle pour, pour les SNI et Sean McBew. Et euh, les Packers joueront donc les Buccaneers en finale NFC. Ce sera le match de 21h05 mmh. euh, ce dimanche. L'affrontement Brady-Breeze en playoff est enfin arrivé. Ce ne sera donc pas au Super Bowl. On passe à la suite juste après ça. Salut, c'est Laurent du Journal Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu. Conférence AFC. On commence avec le match entre les Bills 17 et les Ravens 3. Euh, on ne pourra pas l'éviter, messieurs. Il va falloir parler de Lamar Jackson. 14 sur 24, 162 yards, une interception, 9 courses pour 34 yards. Est-ce que contenir le jeu au sol des Ravens et les forcer à courir est maintenant la recette euh, Je ne vais pas dire facile à appliquer, mais en tout cas la recette connue pour battre Baltimore à chaque fois qu'on y arrive. Grégory, je t'ai vu faire des gros yeux. <laughs> A bon, gros yeux, non, mais euh, en tout cas, euh, oui, non, c'est ça, parce que du coup, je t'entendais formuler la… Je pense pas que ce soit une découverte en tant que telle non. Que, que stopper le jeu au sol de Baltimore soit, soit forcément une clé importante pour réussir à s'imposer. Mais depuis que Baltimore est revenu à ses fondamentaux qui ont fait son succès l'année dernière, encore fallait-il le faire. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, Buffalo a quand même réussi… Avec encore une fois, je trouve une défense qui ressemble vraiment à la défense des Bills qu'on avait l'année passée, euh, à vraiment être, être agressif et à être oppressant, à vraiment être présent dans la poche directement. Et c'est peut-être ça aussi qui a libéré moins de brèches à Lamar Jackson, qui a mis un peu plus de pression sur ses running backs et qui a fini par donner le fameux jeu un peu caricatural que peuvent avoir les Ravens quand le plan A ne fonctionne pas. Alors, je, je reformule ma question pour Raphaël. Est-ce qu'ils sont condamnés à utiliser ce plan tous les ans et à se faire stopper au bout d'un ou deux matchs euh, tous les ans, ou alors est-ce qu'on peut espérer autre chose bah, Est-ce qu'ils sont condamnés euh, Ça dépend tout simplement de la progression de la marge Jackson. Enfin, euh, C'était ma question. C c est... C est... Ils, alors ils peuvent. C'est est implicite. Est-ce que tu vois des choses qui te disent que la Mar Jackson peut progresser Je vais être plus cash. Moi, je pense que oui, il peut progresser. Il en est à deux ans et demi en NFL. Je, moi, je, je, je vois pas. Je vois pas une mécanique de lancer euh, compliquée. Je vois quand même un peu de puissance dans le bras qui me laisse dire que euh, il peut quand même améliorer. Enfin, il peut aller chercher des cibles en profondeur. Il y a cette précision à travailler. Il y a cette lecture et notamment la lecture du blitz à améliorer. Et ça, euh, et je suis d'accord. Et on pourra toujours dire est-ce qu'un quarterback au bout de trois ans en NFL, il n'est pas censé savoir lire le blitz. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis de, 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 euh, de euh, fait dessus. Moi, je pense… Voilà, maintenant, c'est à de savoir est-ce qu'ils se sentent… Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire progresser Est-ce qu'ils croient en une progression de la Lamar Jackson Et si oui, bah, dans ce cas-là, euh, mine de rien, ce pas non plus si catastrophique que ça euh, depuis sa prise de pouvoir. Euh, à, enfin, je veux dire, c'est une équipe… Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, ils sont en play-off. Euh, mmh. Là, ils passent un tour… C'est ah, pas sûr, une équipe au fond de tableau. Quoi, un peu haut. Vois ouais, mmh. voilà, c'est pas une équipe totalement au fond de tableau. Donc, euh, pff, moi, je, moi je, je pense pas qu'on puisse déjà dire c'est rédhibitoire et ils iront pas plus loin avec si, lui. Si tu me permets, Alain, je, je tiens quand même à rebondir sur un truc parce que Raph a, a énuméré notamment certaines choses qui peuvent poser problème dans le, dans le jeu de Lamar Jackson. En effet, il y a, y a cette lecture. Il cette lecture, y a malgré tout, même si je le soulignais à, à Tennessee, ça avait été moins. Moins symptomatique, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté un peu où on va paniquer forcément dès que la ligne offensive ne euh, protège pas comme il le faut. Et en l'occurrence, sur ce match-là, euh, je trouve qu'ils ont quand même pris l'eau à de nombreuses reprises, notamment sur des, sur des moments clés. Mais à un moment donné, il va falloir parler avec Greg Roman. Et je sais que certains anciens des Ravens, euh, parce que j'ai vu, vu un truc passer de Steve Smith notamment, ont été assez critiques sur lui. On se retrouve avec les mêmes problématiques avec les Niners de Capernick. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Greg Roman, c'est un bon coordinateur pour réussir à instaurer de la vitesse dans un système qui le, qui le nécessite et qui peut permettre d'exploiter les qualités intrinsèques, athlétiques d'un joueur. Sauf qu'à un moment donné, quand ton game plan, quand ton play call doit évoluer, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Et je parlais du jeu caricatural tout à l'heure. assez symptomatique sur l'interception et sur le pick six de taron Johnson. Quand Lamar Jackson n'a pas de solution, le plan B, c'est Marc Andrews. Et quand la défense arrive à s'adapter, c'est fini. Donc, je ne dis pas que Lamar Jackson. C'est pas, pas, on va dire, réduire la responsabilité de Jackson sur l'impact de ce match-là. Mais je le répète aussi, il va peut-être falloir qu'il y ait un game plan qui soit un peu plus élaboré. Parce que, voilà, en début de saison, on a essayé de partir sur autre chose, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, on est reparti sur des bonnes vieilles recettes qui ont permis de, de valider la qualification en playoff Enfin, il va falloir se poser la question, comme on l'a fait avec le départ de Marty Morninweg à l'époque, et justement la promotion de Greg Roman, savoir s'il si y a besoin de nouveau pour faire progresser le quarterback de changements en interne. Alors, deux, deux choses là-dessus. je ne voudrais pas ajouter une polémique à la polémique, mais du coup, tu me dis euh, Greg Roman n'avait pas le bon plan de jeu avec les Niners de Capernic. Moi, je croyais que Capernic était plus en NFL parce qu'il était archi nul. Donc, euh, non, mais il, ka, 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 alors... <laughs> moi c'est ce qu'on m'a dit ces dernières années. On m'a dit, c'est pour Kaepernick ça qu'il n'est pas là. Ben, Kaepernick n'a pas, n'a jamais su progresser dans son jeu. Bon, je pré... alors, ça c'est blague à part. Voilà, c'était hum, non, mais, non mais... Euh, Greg Romand... C'est le risque avec Jackson. Alors, mais alors moi, si tu veux, ce qui m'inquiète, c'est que tu l'as dit, ils ont tenté au début de l'année de faire autre chose, mais ça n'a oui. pas marché. Bah, et donc, oui, ils en bon, reviennent bah, à faire le même truc qui ne qui peut pas marcher trois matchs de play de suite quoi, face à des équipes de niveau. Moi, je te dis juste que ce, 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 ce qui a été mis en place. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de te dire que euh, changer le système offensif, ça va transformer Lamar Jackson. Mais on remarque quand même que le play-call offensif de Greg Roman est pas sensationnel mmh, dès qu'il s'agit de faire bien. autre chose que courir massivement. Oui. Donc, peut-être qu'avec des idées fraîches qui marcheront peut-être pas mieux que ce qui a été fait en début de saison, mais peut-être déjà qu'avec des changements en interne, des idées un peu plus fraîches sur la manière de développer un quarterback, notamment à la passe, mmh. parce que ça reste malgré tout son problème fondamental. Mais il y a peut-être moyen du côté des Ravens de se dire on peut éventuellement améliorer le, euh, voilà, le côté peut-être un peu trop prévisible par moment de cette attaque et de notre quarterback. Mais encore une fois, après, euh, voilà, oui, il faut, faut, que, faut, que faut que Lamar Jackson soit capable de, de s'améliorer et de moins paniquer, comme je disais tout à l'heure disons que moi quand j'entends il a des problèmes de lecture il a des problèmes de panique et il a des problèmes de passe pour un mec qui est en troisième année alors euh, toutes ces stats ont baissé l'an dernier alors je sais il était MVP etc mais ouais. si on se place juste oui mais si on se place juste du principe qu'il il va être deuxième en troisième année où il est censé progresser euh, mm -hmm. Josh Allen a progressé linéairement donc euh, MVP il l'est l'an dernier mais c'est voilà on y est pour rien mais il perd de, sur les passes complétées il perd sur les yards il perd il, il lance 10 touchdowns de moins il lance trois interceptions de plus il perd 5 fumbles de plus euh, donc moi, je lui souhaite de réussir, mais on en revient à la même chose c'est que c'est la troisième année, et quand je le vois lancer ou quand je le vois évoluer dans la poche, je vois pas un quarterback NFL de haut niveau. Quoi. Et ça fait trois ans, donc moi, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute un, deux, trois ans. Il joue de manière exceptionnelle à sa manière. Mais je ne suis pas sûr que c'est une manière qui, à terme, les amène. Peut-être ils auront un titre si tout va bien dans, dans, dans tous les, les, les sens. Euh, sais, tout, tout tombe dans leur sens sur une campagne de playoff mais ils ne ils, ils joueront pas 3 ou 4 Super Bowl en 10 ans. Quoi. Oui, mais ça, ça là-dessus, on est d'accord. Maintenant, très concrètement, aujourd'hui, tu fais partie du front-office des Ravens. Ah non, mais ils sont, et tu as dans l'optique d'améliorer l'équipe l'année prochaine. Tu n'as pas ah, changé de quoi de je, bac, Attention, je ne dis pas de le de changer ou de le jeter ou quoi que ce ah soit. Non, mais je... voilà, mais moi, moi c'est uniquement mon propos. Parce que voilà, moi, je, ce constat, euh, ce, le constat que je dresse, je peux difficilement aller à l'encontre de ça. En effet, sur ce match-là, bon, en plus, il n'est pas aidé par euh, <laughs> par Saline, le fait de se faire shooter sur le sur le snap manqué, etc. C'était vraiment un match mmh. sans pour lui en l'occurrence. Mais euh, oui, non, non, ce constat d'échec, je le fais avec toi. Après, ouais. euh, voilà, moi, moi j'énumère juste éventuellement des pistes. Faut, faut pas aussi oublier une chose, et je pense que ça a été préparé dans l'optique justement de la, du renouvellement de contrat de, de, de Jackson qui s'amorce, il y a un effectif qui a été beaucoup rajeuni cette année. Mmh. Donc ce n'est pas la seule explication, ce n'est pas le seul fait que c'est pas la, le seul critère qui fait que Baltimore marque que trois points sur ce match-là, mais il y a eu par exemple un nouveau running back qui a intégré le backfield offensif qui a eu un petit peu de mal quand même sur, ce, sur cette rencontre, notamment en sortie de backfield. Et voilà, et on va dire que Baltimore, en effet, à l'image de son quarterback, a sorti des... Des, des prestations moins détonnantes que l'année dernière, mais peut-être dans les optiques de se dire on recule pour mieux sauter mais avec oui. un effectif, avec des jeunes en tout cas qui vont prendre un petit peu plus de bouteilles et avec une ossature globale qui va prendre forme petit à petit. Non, mais encore une fois, moi je lui souhaite pas de mal, j'espère qu'il va réussir, mmh. qu'il va me faire mentir et tout ça. Je dis juste que quand j'entends certains me dire oui, mais la ligne, oui, mais les receveurs, oui, mais ceci, oui, mais cela, euh, s'il si faut attendre qu'il ait l'équipe parfaite autour de lui, ça n'arrivera jamais personne n'a l'équipe parfaite. Wilson, il a pas de ligne. Un tel, il a les receveurs, mais il a moins de ligne. Un tel, il a la ligne, mais moins de receveurs. C'est la NFL. Euh, donc moi, c'est plus ça. qui. Me, si, si on attend qu'il ait des conditions idéales et qu'on lui donne des excuses jusque-là, euh, ça peut durer mille ans. Mais le fait est que... J'ai vu plus euh, qui me donne confiance en Joe Bureau, en Justin Herbert euh, cette année en trois semaines, que Jackson en trois ans, où on est là à dire oui, mais s'il avait ceci, s'il avait cela. Bon, oui, a priori, à la, a priori à Herbert passe. et Bureau, si tu veux, ils n'avaient pas non plus des superstars autour de Oui, eux, oui. Enfin, après, n'oublie pas, tu ne parles qu'à la passe. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'on gagne oui, voilà. en NFL. Pas tout le temps, mais. En, en ah bah, je une veux bien l'exemple du quarterback euh, qui a gagné au sol euh, en NFL. Bah, en, écoute, moi, 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 ce que je me disais, et ça valait aussi pour Breeze ce qu'on disait tout à l'heure, T'as toujours des équipes qui peuvent arriver au Super Bowl avec euh, des très bonnes défenses. Et on sait que oui, oui, est capable est... de le faire. Ils ne prennent que 17 points sur ce match-là ouais, concrètement. Mais c'est hein. tu sais Non mais voilà, c'est juste sur le côté. Euh, voilà. Lamar Jackson a été hyper impressionnant lors de sa deuxième saison. Bureau et Herbert le sont lors de leur première saison. ce sera mmh. peut-être différent l'année prochaine, mais voilà, c'est juste ce côté. Bon, je te rejoins globalement. On va pas faire un débat sur, non, sur non, un non, principe non, non, sur lequel on est d'accord, mmh. mais oui, le chantier est vaste, mais je pense qu'il faut trouver des solutions pour euh, pour limiter ça. Bon, parlons défense parce que les Bills, ils ont quand même bien bossé. Ils ont une blitzé 41,5% du temps contre 35 en saison régulière. Euh, ils ont quand même eux adapté très très bien leur plan de jeu. Évidemment, le but c'était pas de taper gratuitement sur Jackson. Il y a du très bon en face mmh. euh, avec cette défense de, de Buffalo dont coordinateur commence à être cité d'ailleurs pour des entretiens d'embauche, les skiffrasier dont on a peu parlé pendant la saison. Oui, oui, non, c'est un vrai bon taf de la, de la défense de, de Buffalo. Ils ont, ils ont bien défendu en zone et j'ai trouvé, même ils ont été très disciplinés dans les assignements et dans, les, dans la couverture que les joueurs avaient des autres. Enfin, on Voyait souvent les linebackers bien suivre le joueur et notamment la Jackson qui devait suivre pour euh, tout de suite le bloquer dès qu'il sortait de la poche. Enfin, vraiment, ça a été une défense qui a, euh, comme tu l'as dit, qui a en plus un peu plus blitzé parce qu'on l'a vu, c'est une des faiblesses de la marque Jackson. Donc, tu as intérêt à blitz un peu plus. Donc, euh, ils se sont parfaitement adaptés. Ils ont fait euh, la prestation qu'il fallait, clairement. Donc, là aussi, c'est encore une fois, c'est une défense qui est. Comme Greg l'a dit déjà la semaine dernière de mémoire, elle, elle, la performance était quand même pas, pas mal. Ça s'est amélioré. Euh, là, il confirme. Donc, euh, maintenant, il faut maintenir le cap face à une équipe euh, la semaine prochaine qui joue pas de la même manière, par contre. C'est vrai. Alors, petit point scénario hein, Baltimore était sur le point d'égaliser à 10 partout. Interception, 100 yards de retour. Ça fait 17-3 dans le troisième quart. Et c'est ça qui tue le match pour Buffalo. Euh, sans parler du match-up qui arrive avec les Chiefs, on en parlera dans la preview. Mais euh, on a quand même une des défenses maintenant qui est montée en puissance et qui est Peut-être la meilleure, je suis en train de regarder pour ne pas dire une annerie, mais entre Tampa, Kansas City, et Green Bay et Buffalo, alors on a presque peut-être la meilleure défense du plateau, non, Grégory euh, ouais, Je ne vais pas dire de bêtises non plus, mais oui, entre les ouais, entre les Bills et les Packers, pour moi, ça se vaut. Il hein, y, y a une certaine homogéné homogénéité globale euh, dans cette équipe. Rafladi, c'est vrai qu'il n'y a pas que des trentenaires dans cette défense. Hein, et pourtant, mm. on voit qu'ils sont vraiment bien bien tenu, vraiment, euh, vraiment très rigoureux. Et, euh, et c'est ce qui faisait le, le secret de la montée en puissance de cette défense l'année passée. Et, euh, et voilà, et c'est ce qui fait que cette année en, en playoff, au meilleur des moments, hein, encore une fois, on l'a dit, un, ils sont un peu sur la même dynamique que les Chiefs l'année passée euh, sur leur route vers le Super Bowl. Alors on ne sait pas si jusqu'au bout ça pourra tenir pour Buffalo, mais en tout cas là c'est pareil, des deux côtés du ballon, et notamment défensivement avec... Euh, en effet, en plus des questions qui pouvaient subsister, parce qu'on pouvait craindre en effet que face à un, un jeu au sol aussi bien huilé, à un moment donné, ça craque. Globalement, ça n'a pas craqué, et c'est ce qui fait que, en effet, avec des, avec des defensive backs hyper polyvalents, capables de blitzer, de, de, de vraiment surveiller les zones intermédiaires et tout, c'est une équipe qui est extrêmement chiante à jouer. Et elle le sera pour son futur adversaire de, de finale de conférence, très très clairement. Donc, euh, alors, vraiment une équipe à ne pas sous-estimer en, en finale AFC. Alors, en attaque, ça a été un peu moins la fête quand même. 200 yards seulement, 4 sur 13 en troisième tentative. Euh, gros match défensif de Baltimore aussi, d'ailleurs. Hein, il faut le dire, oui, c'était un gros match défensif de, des deux équipes. Baltimore a été très bon aussi. Oui, oui, ben Baltimore a été très bon. On a eu une attaque des Bills moins explosive que les semaines passées. Beaucoup plus de mal à, à s'imposer à ce niveau-là dans le jeu aérien. Euh, après, ils tombent, comme tu l'as dit, il tombe face à une très bonne défense aussi. Donc euh, forcément, ça n'est pas illogique d'avoir un peu plus de mal en, en attaque. Bon, après, ils ne font pas d'erreur. Euh, Josh Allen au moins fait pas d'erreur sur oui. ce match, clairement. Voilà. Euh, mais il en faudra plus. Euh, il faudra plus en, en attaque pour, les, pour aller soulever le, le trophée Lombardie. Il faudra trouver une autre prestation que celle de, de ce week-end. Euh... tu hochais la tête quand je disais que Baltimore avait bien défendu. Oui, oui, et enfin, très franchement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur ce match-là, heureusement quand même que la défense de Buffalo est très bonne, parce que le play-call -off, offensif, là aussi, je... ça ne va pas être la thématique du podcast non plus, mais j'ai pas tout à fait compris. Là aussi, on, a, on avait l'impression que Brian Dabble il avait une, une Ariasnit aiguë. C'est-à-dire qu'il avait ce besoin absolument de forcer les jeux à la passe pour prendre une bonne partie de la rencontre, même quand il fallait assurer un petit peu de ball-control. Et c'est vrai que ce côté extrêmement déséquilibré, ça aurait pu permettre aussi à Baltimore de se remettre un petit peu plus dedans si l'attaque en tout cas avait été plus performante. Et c'est là-dessus aussi où ce sera quand même à surveiller parce que euh, voilà, c'est bien de faire pleinement confiance à son quarterback qui, en effet, sur ce match-là, le rend bien. Parce que même si les stats ne sont pas dingues, le taux de complétion, le nombre de yards, etc., au moins il a, fait, il a clairement fait le boulot mmh. et euh, il a trouvé euh, son go-to guy à euh, au moment où il le fallait. Mais ouais, c'est pas, encore une fois, je rejoins ce que dit Raph. c'est sûr que ce n'est pas sur ce match-là où on pourra dire attention à l'attaque de Buffalo, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un jeu au sol qui continue de rester défectueux et si ça ne s'améliore pas, ou, si, ou en tout cas si la défense ne le gomme pas de nouveau comme elle l'a gommé ce week-end. Ça pourrait être compliqué dans l'optique du Super Bowl. Oui, Raphaël, l'absence de jeu au sol, elle est criante, hein, par contre, du côté de Buffalo. Oui, oui, elle est criante. Alors après, euh, je, je, je suis moins traumatisé par ça. Je, je pense qu'ils peuvent faire sans jeu au sol, et ils l'ont fait jusque-là cette saison. Je ne suis pas persuadé que, le si, si en tout cas, ils gagnent leur, euh, ils arrivent à battre leurs adversaires sur le match-up euh, aérien, Diggs, euh, Brown, Davis… Euh, s'ils cool si, oui. arrivent à gagner ces matchs là je pense sincèrement que c'est une équipe qui arrive à faire avancer le ballon sans vraiment de jouer mmh. au sol alors bien sûr je suis courir 10-15 fois pour soulager Josh Allen euh, et bien sûr c'est utile hein, je ne dis, dis pas le contraire mais bon je, je pense qu'ils euh, pourront, ils pourront faire 100. à mon sens c'est pas c'est pas la clé première pour eux pour aller au bout. mais euh... Parce qu'on la connaît l'histoire. Hein. Si le jeu au sol n'est pas efficace et que le jeu à la passe ne fonctionne pas, on sait ce qui va se passer. Oui. On va faire bah. courir deux challenges avec ah, les oui. risques que ça comporte. Oui. C'est vrai. C'est une très bonne transition. Je te remercie, Grégory, puisqu'on passe au match chiefs brands 22 à 17 pour les Chiefs. C'était parti pour être le match avec le moins de suspense de la semaine, parce que ça avait commencé très fort pour Kansas City. Finalement, ça s'est joué sur peu de choses. Patrick Mahomes qui sort sur une commotion cérébrale. chad Denis qui rentre pour finir le boulot avec une belle conversion sur 4ème et 1, où il trouve Tyreek Hill pour une passe de 1 yard. Il pouvait rendre le ballon avec une trentaine de secondes. Ils ont osé, c'était à mi-terrain, je crois, grosso modo, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, bon, pour toi, Raphaël, c'est normal. On est d'accord. Bah oui, oui, pour moi, c'est... Enfin, on pourrait, on pourrait presque faire un podcast d'intersaison là-dessus, mais euh, je, je pense que la peur de perdre, mais ce, ce qui peut s'entendre, hein, mais la peur de perdre de certains coachs dépasse la, la raison, en fait, et, et, et la rationalité. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus rationnel que de donner le ballon dans les mains de ton meilleur joueur pour gagner un yard. Et que je trouve ça bien plus rationnel. Que de rendre la balle à l'adversaire avec 40 secondes et le risque de te prendre un touchdown, je, je trouve que. Euh... Ce, ce podcast d'intersaison s'appellera Raphaël joue toutes les quatrièmes. Est-ce <laughs> <laughs> qu'on a Donc, eu des euh... discussions pendant, le, pendant les quatre matchs, hein, grosso modo, sur le chat de la ça. rédaction À chaque fois, il y avait une quatrième, on disait Raphaël tu la joues, il disait oui. Donc non, bon, euh... bon, je, je pourrais, c'est pas grave, je ferai ce podcast où je détaillerai à quel moment je joue une quatrième, mais. Euh, non, non, mais c'est vrai, que c'est intéressant. Voilà, en tout cas, ça m'a pas, ça m'a pas surpris qu'il le fasse, et je. je... Et en tout cas, il a eu raison de le faire, à mon avis, mais euh... Greg, ah. tu l'as joué euh, la quatrième et neuf. Dépend... Alors, justement, c'est intéressant ce que Alors, tu bah, non, mais... non, parlais là. On, on parle 4e de la quatrième et un avec Chadené. Et... Ah, pardon, et... oui, et oui euh, avec... bah, pff, je suis pas sûr. <rire> 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 je suis pas sûr, mais je suis pas en déri, et heureusement pour les tips. Donc, euh... non, non, mais franchement, il a réussi à bluffer tout le monde parce que bon pour le coup, j'ai vu le. J'ai vu le match avec les commentateurs américains. Et euh, même Tony Romo, bon, qui est quand même euh, réputé pour, euh, pour sa science du jeu, en tout cas pour sa capacité à prévoir un petit peu ce qui va se passer sur le terrain. Même lui était là à faire « Non mais c'est bon les gars, c'est pas la peine. Faites pas d'enjeux, de, tout ça, machin. Les CLA, ils vont pas jouer. » Et puis même lui, il est resté sur le cul à se dire « Ah bah si, finalement, ils l'ont joué. » Donc c'est sûr qu'après, oui, sur leur 48, si ça foire, bah, Andy Reid passe pour, pour le dernier des abrutis. Mais bon, là, en l'occurrence, euh, voilà, ça a été tellement bien appelé, et justement, Cleveland était tellement dans le côté, faut pas qu'on fasse faute, faut pas qu'on fasse faute. Mm. que quand ça city, elle a réussi à les enfumer comme ça. Donc, euh, mm. personnellement, je ne sais pas si je l'aurais tenté, mais euh, je trouve que ce n'est pas une, une mauvaise décision en, choix, euh, de, en soi et que ça a été très très bien appelé. Il y a eu un bon mind game, comme on dit, mm. de la part d'Andiret. Bon, Patrick Mahomes, donc commotion cérébrale, on va pas se lancer dans le, la médecine par Zoom déjà de base et en plus sans diplôme. Euh, donc on ne sait pas pour le moment s'il pourra jouer la finale de conférence. On ne va pas euh, faire la preview tout de suite, mais on peut dire que Tchadéné s'est montré à la hauteur de ce qu'il a eu à faire. Il a 6 sur 8, 66 yards. Alors il y a une vilaine interception. Hein. Ouais, bon, quand bien. même. Ouais. Mais il y a une belle troisième tentative où oh. il court bien. En plus de ce que j'ai cru voir passer l'interception, c'est lui qui change le jeu sur la ligne sur la ligne, il change l'appel du coach et en se disant si si euh, je vais y aller en profondeur. Vous inquiétez cœur. pas, <laughs> je gère. <laughs> bon, Donc, <laughs> je, je je sais pas si j'aurais pas tourné ça de manière aussi optimiste que toi en disant qu'il avait fait ce qu'il avait à faire et il a réussi certains trucs qu'il avait à faire, il a moins réussi d'autres comme tu dis, on n'est pas dans la preview, mais vaudrait mieux pas quand même que ce soit lui pour affronter les, les Bills la semaine prochaine. Face enfin, à une défense aussi en forme, oui, ça pourrait être. Plus problématique. Bon. Après, c'est -ce que... sûr que du coup, plus généralement, c'est compliqué de juger ce match offensif des Chiefs à partir du moment où Patrick Mahomes sort à ce moment-là du match et que mm. eh, forcément tout le, reste, tout le reste de la partie est un peu. Euh... Alors, est-ce qu'on peut juger quand même un peu le début Parce que est-ce qu'ils n'auraient pas pu tuer ce match bien plus tôt Touchdown, touchdown sur les deux premiers drives et puis deux field goal. alors qu'ils pouvaient vraiment achever les brands avant la pause, notamment après une interception euh, dans, pour eux où ils marquent derrière seulement un field goal. Est-ce que j'en attends trop ou est-ce qu'ils ont vraiment raté une occasion Greg, toi, qui était un peu plus mitigé des fois sur Kansas City euh, Ils auraient. Pu... Alors, oui, alors, en plus, ils ne sont pas aidés par leur kicker, il me semble, qui laisse quand même euh, passer mmh. quelques opportunités avec un extra point loupé en début de match et euh, le field goal vendangé sur une interception de, de Tyron Mathieu. Euh, après, c'est bah, quand même un peu compliqué. Euh, J'avoue que je n'ai pas compris pourquoi Lévi-Von Bell, par exemple, n'a pas été plus utilisé sur ce match-là. Je ne sais pas ce qui fait la différence hein, concrètement. Mmh. Hein, Darrell Williams a bien, a bien été utilisé dans le backfield offensif. Ils ont réussi à bien piéger cette équipe de Cleveland en, en incorporant justement Hill et Hardman dans le backfield offensif pour, euh, pour réussir à écarter cette défense et à les prendre de vitesse au moment opportun. Euh, ils auraient pu plus accélérer après euh, Mahomes, bien avant la commotion cérébrale, il y a quand même cette gêne au niveau du pied mmh. qui voilà, on sentait que c'était quand même extrêmement problématique. Et je trouve qu'il arrivait assez bien à le gommer en allant quand même chercher des, des premières tentatives à la, à la passe. Et je trouve en effet que même si peut-être en euh, sur quelle période exactement, attends, je revérifie ça, mais euh... c'est dans le deuxième quart hein, les occasions ratées pour moi. Mais ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, peut-être plus dans le deuxième quart temps. C'est sûr que là, en effet, ils auraient peut-être pu accélérer. Après, euh... bon, c'était peut-être défense de Cleveland, parce on n'avait pas trop mal sorti globalement. Je trouve qu'ils ont été capables mmh. de mettre de la pression quand il fallait. Euh, avec notamment un front seven assez réactif, mais euh, bon, non, je sais pas. Après, euh, c'est peut-être mon côté euh, moins émerveillé euh, entre guillemets. <laughs> bah après... Chiefs, mais non, non, voilà. En tout cas, vraiment, je trouve que la, la prestation de Cleveland, que ce soit offensivement ou défensivement, a pas été catastrophique. Mm. Et en tout cas, défensivement, ils ont bien réussi à les freiner en étant bien aidés quand même, je trouve, par un Patrick Mahomes euh, diminué en grande partie sur ce match. Oui, alors tu l'as dit, en plus c'est vrai qu'il y a une blessure au pied avant sa, sa sortie. Moi, euh, bon, il commence, il y a, il y a encore des, des actions de déclin en début de match. Moi, je trouve que ça commence vite, qu'ils auraient peut-être pu un peu tuer le match plus vite. Euh, les les il, y de... quand même... oui. enfin, il y a quand même 19-3 à la mi-temps. Mmh. Euh... Oui. Et en vrai, je, je, je m'interroge à quel point la sensation que le match n'est pas tué, elle n'est pas due au fait de la sortie de Patrick Mahomes. Et que t as, t as un, ça casse un peu une dynamique en attaque. Il y a peut-être je, je sais, S'il avait fait tout le match, je ne suis pas sûr que les Browns c'était qu'à 5 points de, de Kansas City à la fin du match. Il je... y a, y a, y a peut-être aussi cette sensation parce que les, les Browns ne passent quand même pas très loin de réduire l'écart. Euh, ils ne passent pas loin de revenir à 10-16 euh, en fin de deuxième quart-temps, juste avant la mi-temps, avec euh, ce ballon relâché. C'est euh, Higgins, hein, si je ne dis pas de bêtises, mmh. euh, qui plonge pour le touchdown après une réception, qui relâche le ballon dans la end zone. En tout cas, qui roule dans la end zone. Après, qu'il l'ait relâché avant, puisque sinon ça aurait été touchdown. Euh, donc le, le ballon sort, ça fait touchback pour les Chiefs. En plus, il prend un coup de casque sur le en plongeant dans la end zone. Bon, ça fait beaucoup, c'est cruel. Euh, après, c'est la règle. La règle, elle est bête, mais la règle, c'est la règle. Le plus rageant, c'est le coup de casque qui est pas sifflé. Ouais, Ouais, ouais. J'allais dire, c'est toujours le même problème de la décision initiale, en fait. Le problème c'est que forcément dans le feu de l'action tu t'arrêtes plus sur euh, là où le ballon est allé. Mmh. Alors qu'à mon sens, dès le placage, euh, ça aurait dû être signalé et le targeting aurait prévalu sur le, mmh. sur le touchback, ce, ce qui n'est pas le cas, parce qu'encore une fois, on a privilégié euh, le jeu avant tout. En tout cas, on a peut-être considéré, vu l'angle mmh. qui, était, qui était celui de ce, du placage de Sorensen, que bah, le plaquage avait été fait en bonne et due forme. Et qu'après, bah, voilà, comme on l'a dit, pas forcément, euh, on ne pouvait pas le revoir après coup, vu qu'on voilà, est principalement sur le touchback. Euh... Honnêtement, c'est le plus débile dans toute cette histoire. C'est que le coup de casque ne soit pas arbitrable dans la vidéo. Enfin, bah, lui, pourquoi, ça va, va peut-être peut changer. Ça, Écoute, la, va changer hein. la NFL est un monde en constante mutation. Donc, <laughs> ouais. euh, voilà, ça, ça sera rajouté. Mais malheureusement, à chaque fois, il y a des, il y a des boucs émissaires, ou en tout cas, euh, voilà, des exemples de ce genre ouais. de, 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 de problématiques-là. Bon. Euh, en tout cas, alors je, je, sais pas, je, je savais que Raphaël avait été virulent pendant le match sur la, la règle que tu aimais pas beaucoup du touchback quand ça Ouais, ouais, sur, sur le moment, mais après en, en discutant et en voyant les discussions au sein de la rédaction, c'est vrai que je n'ai pas non plus forcément de bonnes solutions à proposer. Mmh. Euh, après, je, je... La, la meilleure, c'est celle de Bill Belichick. Hein. Apparemment, il interdit à ses joueurs de tendre les bras comme ça quand ils quand il plongent. Euh, ouais. euh... Mais après c'est vrai que c'est pas on en revient toujours à la même chose mais c'est pas jugé de la même manière parce que j'ai déjà vu des quarterbacks justement euh, tendre le bras euh, juste au-dessus du, du petit pylône et tout où tu as la sensation que le contrôle du ballon est pas foufou, le ballon ouais. part en touchback mais on fait ouais, belle action du quarterback. Bon. Et là c'est sûr qu'il est voilà, il était quand même bien en deçà du, du pylône au moment où il se fait où il se fait plaquer par Sorensen. Et c'est la, la principale problématique du truc. Donc euh... Mais oui, après, on peut ne pas aimer. Moi, après, bon, j'ai appris à être habitué à cette règle du touchback. Mais encore une fois, oui, j'ai pas de mal à comprendre que quand on en est victime... Ah bah ça peut être agent. Voilà, ça peut être agent. Les Brands se sont bien accrochés, notamment grâce à un bon baker. Mayfield quand même, 23 sur 37, 204 yards, intelligent, d'une interception. Je trouve que les stats rendent pas vraiment grâce euh, à son niveau de jeu. Je sais pas, moi, je l'ai trouvé convaincant sur ce match. Il était accrocheur, alors même si ce n'était pas toujours facile. C'était un très gros match, le plus gros match des, des Brands depuis une éternité. Et je l'ai trouvé présent, quoi. En tout, ouais, en tout cas, comme tu dis, et ça, ça se voit pas dans les stats, mais je trouve qu'il y avait la latitude. L'attitude ouais. y était du côté de Baker Mayfield, euh, de vrai capitaine, d'aller chercher de, certains jeux. Enfin, de, euh, de, ouais, il, il y était complètement, il était dans son match. Il y a des choses qui auraient pu être améliorées, mais il y a aussi quelques vilains drops hein, qui sont pas oui. forcément de sa faute et qui viennent euh, un peu casser, euh, casser sa fiche de stats, comme on pourrait dire. Donc comme tu dis, pour une première en playoff avec... Euh, alors je pense qu'il n'y avait plus vraiment de pression pour Cleveland parce qu'ils avaient, euh, après tant d'années de façon, euh, à ne pas jouer les playoffs, rien que d'y retourner, c'était déjà une saison miraculeuse. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y allait avec une énorme pression. Mais euh, il, il a été convaincant, clairement, sur ce match. Donc c'est quand même une bonne, une bonne nouvelle pour, euh, pour Cleveland de se dire que leur quarterback euh, fait des bons matchs en playoffs, clairement. Craig. Ouais, ouais, moi j'avoue que sur ce match-là, c'est pas mes filles qui m'a déçu, c'est plus le backfield offensif. Ouais. Euh, Raf parlait de certains drops. Il euh, y a quand même un Nick Chubb qui a connu une première mi-temps extrêmement compliquée. Euh, il s'est bien repris par la suite et, à mon sens, même si bien entendu il y a la blessure de ce c'est pas un hasard si ça coïncide avec le, le le fait que Cleveland recolle un petit peu au, au tableau d'affichage. Mais c'est vrai que ouais, le backfield offensif, notamment en première mi-temps, était assez inoffensif. Il y a un Karim Hunt, j'ai beau ne pas aimer la, la personne, qui n'a pas été suffisamment incorporée, je trouve, en début de match, justement au moment où Chubb était un petit peu en, en difficulté. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure la sortie momentanée de Diddrick Wills a posé problème aussi euh, dans un moment assez tôt de la rencontre. Mais bon, voilà, après, euh, c'est plus dans ce registre-là où on sait que Cleveland, depuis le début de la saison, euh, voilà, c'est leur identité principale, même si Méfite, ces dernières semaines, ne démérite pas. Euh, à partir du moment où en effet ça a été un petit peu compliqué, ou en tout cas ça a été euh, par intermittence avec un, une première mi-temps sans et une deuxième mi-temps un peu plus convaincante, bah, c'est peut-être aussi ce qui a manqué également, euh, le petit coup de fouet qui a manqué pour vraiment poser encore plus de problèmes à cette équipe des Chiefs euh, 27-10, 7, pardon, 4ème et 9, 4 minutes 19 à jouer. Raphaël, est-ce que tu l'attends euh, Oui, pour les mais, brands, là. Oui, moi je. Encore une fois, ils ont converti d'autres. Euh, ils ont converti d'autres. ils ont une attaque euh, qui avance, il y a un momentum à récupérer. Euh, moi, j'y serais allé. clairement. C'est sur le 32 yards. Hein, donc, si tu la rates, tu signes ton arrêt de mort, grosso modo. Ouais, mais derrière, tu l'as signé de fait en rendant la balle au chip sans la récupérant jamais. Donc, euh, je... euh... Mais après, c'est toujours, toujours la mmh, même question. Hein, mmh. D'autres manières, il on, n'y a pas forcément de, de bonnes ou mauvaises réponses. On ne franchira pas, mais c'est… Est-ce que tu considères qu'il vaut mieux donner à, la, à ton attaque le, le ballon pour aller chercher la victoire ou à ta défense Ça doit te faire le choix. Et... Alors, c'est ce que j'allais dire sur l'action de tout à l'heure, parce que du coup, j'ai confondu les, les deux quatrièmes tentés, mais moi, je me suis quand même posé la question, parce que c'est vrai que c'est paradoxal dans le sens où, pour revenir à 22-17, euh, Cleveland réussit un drive où il conclut deux quatrièmes tentatives, dont une déjà sur leur euh, 30-35 yards, je ne vais pas me tromper, mais. Euh, c'était une quatrième et un, certes, mais en tout cas, sur un moment où ils étaient beaucoup plus loin au score, ils n'ont pas hésité à prendre des risques, justement, alors qu'ils étaient dans leur partie de terrain et que ça pouvait avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Euh, donc, c'est là où j'ai un peu de mal à comprendre. Après, j'avoue, euh, faut comprendre. C'est là où j'ai du mal à, à me figurer ça. C'est que, que, que pouvait bien se dire ce Kevin, Kevin Stefanski à ce moment-là? Est-ce que pour lui, c'était plus rassurant que Chadeni et le ballon? où son attaque là c'est ça la question mmh. parce que je te rejoins euh, Alain c'est sûr que Tchadelli, il n'y a pas que des mauvaises choses mais sur le drive d'avant sur le drive offensif de Kansas City il y a donc cette fameuse interception à Paloche peu mmh. 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 et peut-être que Stefanski s'est dit bah, on a une défense qui tient quand même plus ou moins la route et qu'on va être capable euh, au minimum de les stopper au maximum de réussir à provoquer un turnover, etc. Euh, et ça passe pas loin d'ailleurs, hein, mmh. parce qu'encore une fois, sans le, sans le call extrêmement burné d'Andy Reed, euh, Cliveon aurait peut-être revu le ballon. Mais c'est sûr que voilà. Là, pour le coup, ça fait un petit peu mal. On peut la tenter dans ce genre de situation, 4 minutes, 5 points de retard, euh, c'est sûr qu'après, ça t'annihile totalement toute, possible, mmh. euh, toute possibilité de retour. Mais euh, bon, c'est pas ce qui me scandalise, mais c'est vrai que j'ai pas trop trop compris non plus sur le coup. Les deux se défendent. Allez, euh, les, justement, tu parlais de, du choix de coaching avec Chalénier. C'était Eric Biennemi, évidemment, le coordinateur offensif des Chiefs. Et bien, justement, un petit peu de news, messieurs, on va parler coach. Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is today in New York. Eric Bienemy n'a pas encore d'emploi euh, notamment parce qu'il est en course mais surtout parce que ça commence à être pas mal pourvu. Alors on va pas y passer 10 ans messieurs parce que c'est un peu de la conjecture hein. on va juste signaler un peu ce qui se passe. 1 2 3 4 coachs embauchés depuis euh, nos dernières émissions. Euh, les Jaguars ont embauché Urban Meyer, les Jets Robert Salé, les Chargers Brandon Staley, c'est tout frais hein, c'était dans la nuit dimanche à lundi et puis les Falcons les Falcons pardon, quelques jours plus tôt ont pris Arthur Smith. Euh, on va tiens, on va faire comme ça. D4, laquelle vous paraît être la meilleure embauche Laquelle vous plaît le plus C'est totalement subjectif, ne hein, vous inquiétez mmh, pas. Ouais. Euh... Alors là, je t'avoue que. Alors, <laughs> bon, alors, on va prendre dans l'ordre. La plus glamour, c'est les Jaguars Urban Meyer. Greg, oui. toi qui le connais bien, c'est quel type de coach À quoi on peut s'attendre bah, Je l'ai dit, c'est un coach euh, relativement. Enfin, défensif de base, je le vois pas arriver avec un système à la Kingsbury où il va dire vous allez voir ce que vous allez voir, les gars. Bon, même si euh, la première choix de la draft, hein, donc il aura mmh. peut-être un quarterback extrêmement prometteur, mais euh, je le vois pas en train d'arriver et de dire on va balancer pour 800 yards, même s'il fait partie de ces, de ces coachs universitaires qui ont quand même réussi à se révolutionner euh, au fil des années. Euh, mais euh, ouais, non, c'est un coach relativement. Euh... C'est un coach qui a une poigne globalement sur son groupe, euh, qui sait très bien s'entourer d'un point de vue coaching staff. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas trop en NFL ce que ça pourra donner, mais euh, il, je le vois plus conservateur dans son approche. Alors, je vais me tromper. Je me permets, tu dis poigne sur son groupe, c'est correctement étouffé toutes les affaires judiciaires. Parce que je disais cet après-midi qu'il y a eu une trentaine de joueurs qui ont été protégés à l'époque Florida, dont Aaron Hernandez. Donc, ça se multipliait. Et qu'à Ohio State, il a couvert son assistant coach qui battait sa femme. Quand ah même. Oui, mais j'en avais parlé. De, que de toute façon, il y, a eu, il y a eu des scandales à peu près partout où il est passé. Euh, et que, En effet, bon, il, a, il a quitté les différents programmes pour des soucis de maladie. Je suis pas là pour juger. Oui, en fait, alors, en fait, pas, il, euh... il prenait sa retraite juste après que les affaires éclatent à chaque fois. Hein, voilà, c'est ouais. un peu le souci. Donc euh, bon, après on aime ou pas le personnage. Hein, si... je sais pas si la comparais... je sais pas si comparaison est raison, mais en tout cas euh, voilà, c'est on sait que c'est un coach qui est très proche de Greg Chiano. Il est moins austère que le, que... Que le camarade, que l'ancien coach. Je <laughs> pense, ouais, <laughs> mais, euh... Bon, c'est. Okay. Ouais, peu... Ça va être un choc dans trois ans quand il va partir et qu'on va apprendre que Garner Minshew est un serial killer. Hein. <laughs> s'il est encore là d'ici là. Mais voilà, non, c'est il a une approche assez conservatrice et encore une fois, ouais, j'ai du mal à évaluer mais il y, y a forcément on pourra dire il y a des coachs de collège football qui sont arrivés et qui peuvent réussir en NFL, c'est loin d'être un énorme pourcentage. il mmh. euh, faut quand même se rappeler que euh, peut-être le plus grand coach de collège football de tous les temps en l'occurrence Nick Saban qui coache aujourd'hui à Alabama est passé à côté quand il est passé par Miami dans les années 2000 après il y a beaucoup vrai. de il y aura beaucoup d'armes à sa disposition beaucoup de choix de draft on verra alors juste mais en très bref pour les choix de draft on est d'accord il va pas choisir Justin Fields à la place de Trevor Lawrence on peut couper cette rumeur à l'idiot idi, là je ne sais pas ça restera moi pour moi non non, non, non. non, mais euh, c'est une rumeur la... qui persistera de toute façon. C'est euh... typiquement la vieille rumeur euh, Ah bah comme il l'a coaché, il le veut quoi. Bah, et comme, en l'occurrence, ça avait donné raison, mais Kingsbury avec Murray, euh, c'est ce qu'on avait sorti euh, d'ores et déjà quand il a été nommé coach des Cardinals, On on peut pas occulter le fait que Justin Fields ait été recruté au Ohio State par euh... Oui, mais par voilà, Urban Meyer comme... ou en tout que... cas ça comme... garde rapproché quoi. Donc, comme euh, là ça... on nous présente Trevor Lawrence comme le, le Messi depuis euh, depuis trois ans, visiblement. C'est pour euh... ça. Il y aura du drama draft comme mm -hmm. il y a chaque année et l'arrivée d'Urban Meyer en rajoute. Mais non, je pense pas qu'il y ait de débat à se poser à l'heure actuelle. Euh, bon, les, Raphaël, ça te plaît du coup Urban Meyer avec ce que tu viens d'entendre? Il sympa, hein Ça va nous en faire des unes d'articles. Ouais, il ouais. Il sympa. Bah écoute, on va voir. Hein, tout le monde a le droit à une euh, quatrième, cinquième chance, non <laughs> C'est ça. Euh, bon, les Chargers... Euh, alors, les Jets euh, et les Chargers ont opté co euh, coordinateur défensif Robert Salé, Brandon Stallet. Bon, aucun des deux n'a une expérience euh, de coaching, donc on a, on a du mal à dire, euh, là, est-ce que ça va marcher Ça ne va pas marcher. Non, mais euh, Salé, sur le papier, je trouve ça intéressant. En tout cas, il... Après, les, euh, les, c'est toujours euh, difficile de, de juger les côtés là-dessus, mais je trouve que Todd Bowles, Adam Gaze, chez les Jets, on était quand même sur des mecs avec peu de charisme, peu de... Ah là, on va te servir. Là, là c'est un peu plus testostérone et charisme quand même. Donc, moi, euh, bon, ouais, je, ouais, je trouve ça plutôt intéressant. Et au final, il, fait, fin, il a bien redressé la barre de la défense de, des 49ers en cours de saison. Donc pourquoi pas avoir après c'est pareil ces types là c'est comment ils s'entourent aussi surtout quand c'est leur première expérience de head coach c'est comment ils arrivent à s'entourer ça Et, bon en tout cas il y a un potentiel jeu de mots qui est assez illimité. donc ça c'est quand même aussi appréciable ouais. dans, ce, dans ce genre d'entretien surtout qu'il a pris il a pris le frère de Matt Lafleur je crois quand ah quand oui il a Mike le... Mike Lafleur ouais, ouais. Euh, les Chargers donc Brandon Staley le coordinateur défensif des Rams euh, cette fois là c'est plus discutable peut-être quand tu as Justin Herbert ou où... Non Elle est plus surprenante, disons, parce que c'est quand même sa première saison en tant que défensif-coordinateur. Je veux dire, il a, oui. il a très vite monté les échelons. Il était coach des linebackers à Denver, un an de coordinateur défensif à Los Angeles et tout d'un coup, il passait de coach. Donc, la, la rapidité de l'évolution peut, euh, peut laisser son songeur. après. Bon, ouais. Sais. tout dépend de comment il s'entoure au niveau coaching. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ça. messieurs. Il... Sur son arbre coaching, il est très proche d'Adam Gaze. Ah <laughs> <laughs> oh, putain, le, ah, la, le, la pire chose qui pourrait arriver à Justin Herbert, ah, on sait jamais. Encore un en coordinateur offensif, faut voir. Non. Après, sur, sur le fond, moi ce qui m'inquiète un peu, sur, euh, pour aller juste une minute de plus, mais euh, sur l'embauche d'un coach défensif pour euh, les Chargers et donc pour Justin Herbert, c'est du coup tu vas avoir un nouveau coordinateur offensif a priori pour Justin Herbert. S'il arrive encore à faire passer un palier à son jeune quarterback, c'est un coordinateur offensif qui peut déjà être dehors, enfin prendre un nouveau mmh. poste dès l'année prochaine. Donc potentiellement, tu pourrais très vite avoir un Herbert qui a trois coachs, trois coordinateurs offensifs mmh. en trois ans, tu vois, alors que si tu avais choisi un génie offensif, un esprit offensif, tu Après... pouvais peut-être construire sur la longueur avec. Après, je taquinais, euh, a priori, euh, des rumeurs qui sortent, euh, Stan Kane, le coordinateur offensif actuel, est toujours considéré par Staley. Bon, donc euh, ouais. voilà, ça reste mmh. une possibilité malgré tout. Et puis les Falcons embauchent Arthur Smith après avoir eu Mike Smith de 2008 à 2014. Oui, oui. Visiblement, il y avait une petite nostalgie euh, patronymique. Mmh. Ouais. Euh, Grégory, est-ce que tu préfères Arthur Smith ou Mike Smith euh, C'est une excellente question. Euh, non, alors, bah, on dit... déjà, déjà, en termes de charisme, j'ai l'impression que le débat va se poser parce que j'ai pas l'impression que sur l'échelle de Robert Selley, on a l'air un peu plus bas quand même. <laughs> bah, moi moi on... qui voulais du caractère dans le vestiaire, j'espère que ça conditionne pas tout, mais bon, j'espère qu'il sera quand même un peu plus énervé qu'il a l'air de, de l'être. Ah, et puis, on va pas <laughs> se mentir, quand tu tapes Arthur Smith sur Google pour trouver sa photo, ça peut être n'importe qui. Hein. <laughs> <laughs> hum c'est pas le mec qui nous apparaît tout de suite. Alors Encore une fois, alors après le jeu des interviews, tout ça, moi je préfère m'en méfier. Euh, ça oui. s'est bien passé, ça s'est mal passé. En tout cas, il n'y a pas eu de mauvais retour, manifestement, des franchises qui l'ont rencontré. Et il y en a eu moult, euh, comme on dit. Euh, ouais, et c'est vrai que voilà, là, encore une fois, euh, pour une équipe d'Atlanta qui avait du déchet au niveau de la zone rouge euh, depuis pas mal d'années maintenant, avoir un. Un coach qui a été extrêmement efficace dans ce domaine-là, euh, avec un Ryan tenney qu'il a su relancer, avec un Derek Henry qui certes avait du potentiel mais euh, qu'il a transformé de manière vraiment euh, presque bestiale, j'ai envie de dire, vraiment inarrêtable. Euh, et je trouve que sur la ligne offensive, un chantier également important. Euh, voilà, il a quand même fait du bon boulot avec pas grand-chose au final. Donc euh, non, il y a des éléments intéressants. Il y a toujours ce syndrome head coach coordinateur offensif qui moi me fait peur. Il faut voir qui fait venir en défense. Moi, je l'avais dit, un coordinateur offensif en head coach, ça ne me dérange pas fondamentalement, mais il faut faire venir vraiment un coordinateur défensif qui va avoir pleinement les mains sur cette défense pour vraiment euh, voilà, en faire quelque chose et la rendre hyper agressif. Des premiers noms qui ressortent, ça n'a pas l'air inintéressant, donc euh, à creuser. On passe au top et au flop. On boucle l'émission la, la, pardon avec les tops et les flops. Grégory, vas-y, tu es lancé. Ton top euh, bah, Écoute, mon top, mon top. Je vais quand même dire la défense des Bucks, parce que euh, je l'ai dit, euh, j'ai presque l'impression par moment qu'il fallait pousser Brady et l'attaque des, des Bucks dans la end zone pour être sûr qu'ils marque euh, donc, je trouve que leur impact a vraiment été non négligeable. c'est pas forcément la seule défense qui s'est mise en évidence sur ce match-là mais sur un match où c'était peut-être celle qu'on attendait le moins entre guillemets c'est celle qui a eu un impact vraiment important celle qui a été un facteur déterminant sur la victoire à New Orleans donc ça me semble important de les mettre en avant Raphaël euh, mon top ça va être euh, Travis Kelsey son touchdown mais surtout sur cette action de touchdown les, les chevilles cassées euh, de Denzel Ward comment euh, cette course enfin ce tracé du tight end qui, qui, qui a une capacité à courir les tracés au niveau de beaucoup de receveurs dans la ligue, même s'il est, lui, tight end. Voilà comment il s'est juste défait d'un cornerback numéro 1 avec vitesse et, bref, je, encore une grande action du, du tight end de Kansas City. Le ah oui, j'allais dire à Greg le flop, mais j'ai un top aussi. Aaron Jones, l'homme de l'ombre des Packers. Un petit coup de pouce au jeu au sol, parce qu'on a énormément parlé d'Aaron Rodgers. On va énormément parler d'Aaron Rodgers face à Tom Brady, tout ça, tout ça. Et éventuellement d'Aaron Rodgers face à Patrick Mahomes, tout ça, tout ça. Mais Aaron Jones fait quand même un énorme boulot cette année. Si je pas de bêtises, il est en fin de contrat en plus. Ouais. Donc, il pourrait prendre un chèque. J'espère pour lui et Greenback qu'ils vont continuer ensemble. Le flop, Gregory. Euh, alors j'ai hésité, ça aurait pu être euh, de manière assez, euh, une fois n'est pas coutume, Justin Tucker de Baltimore, euh, juste pour le plaisir parce que c'est un joueur qui me fatigue. Euh, je reste à la Nouvelle-Orléans euh, CJ Jay Garner Johnson, euh, ah, oui. qui mmh. met des coups de poing dans le dos de ses adversaires pour retirer le ballon, parce que c'est <laughs> bien entendu qu faut que le joueur porte le ballon sur son dos. Ah oui, mais après il a séché les cours d'anatomie à la fac, ils sont très. Ah ben, c'est visiblement. Ouais. Donc euh, mmh. voilà, écoute, je... je suis un hater des Saints comme tout le monde le sait. Donc, euh, voilà, quand il quand y a des joueurs qui se distinguent euh, par leur savoir-faire, euh, leur savoir-être, mmh. savoir c'est important de le mettre en avant. Raphaël, ton flop bah euh, Bon, je, je retourne encore sur les chiffres, mais la, la sortie de, de Patrick Mahomes sur Commotion, euh, je trouve que ça a un peu tué le, le. Enfin, tu forcément le match, mais l'ambiance autour du match a un peu baissé. Et, et surtout, j'espère qu'on n'aura pas une mauvaise nouvelle d'ici euh, la fin de semaine ouais ça bonnes euh, nouvelles oui. ça dépend les fans débiles seront pas d'accord avec toi <laughs> oui. ah ouais va... sans, sans doute mais ah il y a deux trois tables qui vont être cassées hein. oh, bah, oh, disons, que, euh, disons que voir le champion au titre euh, potentiellement sortir comme ça c'est oui, vraiment oui, pas sûr, ce qu'on attend et ce qu'on mmh. veut quoi enfin je... C est, c est, franchement, en plus, on va pas se mentir, il nous fout en l'air l'émission la, de preview parce qu'on va enregistrer, on était là, on enregistre quand mercredi ou jeudi, mercredi ou jeudi, mercredi ou jeudi. Je pense que dans les deux cas, de toute façon, on est, on est ouais, coincé. Je pense, hein. je pense pas qu'il sera, il aura le feu vert avant vendredi, donc, euh... Donc bon, ouais, ça pourrait être mon flop aussi. Tiens d'ailleurs, moi j'en avais pas trouvé. Du coup, j'avais juste un deuxième top. C'était le... Je sais pas si c'est un troll volontaire, mais Jamie Winston qui lance une passe de touchdown contre les Buccaneers. Je pense que c'est quand même un coup de maître de Sean Payton. C'est clairement du troll, c'est Sean Payton. C'était surtout que j'avais vu que c'était le même le même jeu que sur le drop de Diablo Wins. Donc voilà, le troll master, toujours apprécié. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 403 du podcast John avec Tu. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y en a plein en plus cette semaine. Num, Nicolas, Man, Keks06, Melchion, Théocle, rémigé Anthony, David, Guy, Guillaume, Aubier, Vincent, Sapousse, Nico, Lambert et... Bertrand. Voilà, merci à tous. Euh, N'hésitez pas, encore une fois, à nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas si vous voulez nous soutenir aussi à laisser des commentaires. Je ne le dis pas assez sur Apple Podcast, mettez des commentaires et des étoiles, des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Euh, merci encore une fois pour nous suivre le Twitter et Facebook à TDA Actu, sur Instagram à TDA Actu en entier, à TDA pour Raphaël sur Twitter, à Thieloradio Radio ça pour Greg à pour moi-même. On se retrouve donc mercredi ou jeudi. Pour l'émission de preview. On ne sait pas encore. On va voir quand est-ce que Raoul et, 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 et Raphaël se calent pour ça. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Raphaël. Et eh bien merci. Et nous, on se retrouve donc très bientôt pour l'émission de preview. Ensuite, vous aurez l'émission draft. Ensuite, il y aura le fauteuil dimanche à 20h. Merci de nous suivre. À très bientôt. Ciao, ciao. Tout à l'fltactu.com. Sur le foutu, les temps, t'étais tu Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes, en t'étais actus tu fameux pour JJ1, 8 meubles pour Marshall Lynch Procash, Global, Beckham, Tom Brady, Quaterback Calé sur le fauteuil. option Madame Irma à la fin, on compte les points et on finit en requin